fait, je crois, un an et demi que j'ai eu un souci dans mon salon. Un souci de, comment on appelle ça, de justice. Parce qu'il y avait des filles qui sont venues au salon. J'en fais plein de choses. Et l'histoire, je viens l'arranger à l'amiable. Et les dames, elles n'ont pas accepté. Elles ont dit non, on a la justice et tout, tout, tout. Donc, on est là en justice. Et donc, quand on est là en justice, j'avais pris un avocat. Et l'histoire, normalement, les dames, c'est là que j'ai commencé à, franchement, à me donner à Dieu, à prier. Et je suis sûre que la prière, Dieu a vraiment agi. Mm-hmm. Et les filles, elles sont venues deux fois en justice. Moi, je n'ai pas été. C'est mon avocat qui est parti. Et la troisième fois, elles ne sont pas venues. Une quatrième fois, elles ne sont pas venues. Et après, mon avocat m'a appelé pour me dire que l'affaire était finie. Voilà. Et j'ai, comment on appelle ça, je suis restée là, je crois, un an après. Puisque la police est venue à la maison, au salon, ils ont regardé, ils ont dit qu'il y avait des produits que je ne devais pas vendre et tout. Bref, j'ai été... Et après, ils m'ont rappelé. Il n'y a pas longtemps, ils m'ont rappelé. Ils ont dit que finalement, les filles ne sont pas venues, mais il y a la police, qui est l'État français, qui veut me condamner parce que j'ai vendu des produits que je ne devais pas vendre. Donc, ils m'ont appelé, j'ai appelé mon avocat m'a appelé et elle a dit que ce n'est pas à son niveau. Il faut que je cherche quelqu'un d'autre parce qu'elle, c'est très grave et je ne peux pas, elle ne peut pas me défendre. Donc, on a cherché notre avocat qui elle nous a mis sur des pistes. Elle a dit si vous voulez appeler celui-là, mais moi, je ne peux pas. Donc, on a appelé l'avocate et on est allé, je crois, deux semaines après. En justice, ça. Donc, moi j'ai dit à mon Dieu que moi, franchement, d'abord, je ne sais pas m'exprimer. Qu'est-ce que je vais aller dire? Donc, l'histoire s'est passée, c'est le défrisage. J'ai fait un défrisage au salon. On m'a dit que je n'avais pas le droit de faire un défrisage parce que je n'ai pas de diplôme français. J'ai le diplôme de chez moi, mais ce n'est pas le diplôme français. Et les produits qu'on utilise chez nous, ils ont dit que je n'ai pas le droit de le vendre. Voilà. Donc, j'ai dit que je ne pouvais pas m'exprimer devant la justice française et qu'il fallait que. Je suis ma compagne. Et c'est vrai que l'avocate m'a dit, une semaine après, elle a dit, il faut compter entre 12 000 et 8 000 euros. Parce que c'est deux affaires. C'est une histoire de défrisage, les fiches sont pleines, et les produits éclaircissants. Voilà. Donc, j'ai dit, elle a dit que déjà, je n'ai pas d'argent. Donc, franchement, l'histoire-là, c'est moi, je te confie tout. Donc, la dame m'a dit, même si. Il y a un avocat, je vais payer quand même de l'argent. Okay. Donc on est parti. Mon mari me dit déjà que oui, mais il faut qu'on prenne un crédit. Il faut, franchement, ça commence à me fatiguer. On va vendre les salons comme ça, on reste tranquille. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc on est parti il n'y a pas longtemps. Et ce jour-là, j'étais presque la dernière. Quand on est parti, on était plus de combien de personnes là. J'étais entre les criminels, les gens qui ont tué et tout. J'ai dit Seigneur. Et je suis partie. Donc l'avocat, franchement, elle n'a rien dit, il a dit, j'ai dit, voilà, je reconnais que j'avais coiffé cette dame, mais ça faisait quand même deux ans que j'ai fait une formation ici, et ça fait deux ans que je fais le lycée brésilien, j'ai jamais eu de souci, mais je reconnais que j'ai coiffé la dame, et je reconnais aussi que j'ai vendu des produits, voilà, mais je ne savais pas, moi, je les ai déjà vendus au pays, ça fait 15 ans, mais je ne savais pas. Et donc la dame, qui est c'était le juge, qui me demande, est-ce que les produits étaient exposés? Ils ont demandé aux gens, parce qu'il y avait des gens, comment on les appelle, ceux qui s'occupent des consommateurs. Les vendeurs. Voilà, qui étaient là. Et ils m'ont demandé, quand vous êtes venus dans le magasin, est-ce que les produits étaient exposés ou pas? Donc la dame a dit, si, c'était exposé. Quand on est venu reprendre les produits, c'était exposé. Donc, elle-même qui dit, bon, mais moi, je ne connais pas cette femme. Mais si les produits étaient exposés, ça veut dire qu'elle ne savait pas. Donc, on n'a pas à la condamner pour ça. Et donc, Dieu. Oui. Donc, dès qu'elle dit ça comme ça, et mon avocat, franchement, elle a parlé pendant 5 minutes. Elle, je l'ai vu aussi cher pour elle. Elle n'a rien dit de. Moi-même, j'ai parlé. Et la femme même me dit, mais on n'a pas à la condamner, puisque elle ne savait pas.
les produits qu'elle a vendus dans son c'était, pays, c'était ça pas fait caché, 15 ans. voilà, oui. Tu l'as Donc, pas caché. Moi, je trouve que cette femme, voilà, c'est elle-même qui le dit. Gloire et donc, à Dieu. Après, ils sont partis parler entre eux là-bas. Et de 12 000 euros, je n'ai pas eu quelque chose à payer. Ils m'ont dit qu'à moi, que voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà. Celui qui a mis la main. Amen, parce amen, que la amen. Femme, la femme a vraiment insisté, elle a dit franchement, essayer de prendre un prêt, c'est vraiment un truc grave. J'ai dit, bon, mais je sais que Jésus a déjà fait et il a bon travail. Donc, amen. C'est pour ça que je tenais à rendre ce témoignage depuis la semaine dernière. Amen, donc, amen. Je ne suis pas condamné. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'était quand même 1000 euros, oui. Merci, Seigneur. Euros, merci, mais Seigneur. De 12 000 à 1000 euros, franchement. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur,